génial. Ah oui, c'est bien. Ça le fait, hein. On n'est pas là pour rire. C'est une tuerie. Bravo. Tu me dis ? Serre-toi un verre. Et tu commences à rallonger. Cœur permettez-moi d'embrasser en passant. Permettez-moi d'embrasser la relique. Et puis après de vous en faire autant. Permettez-moi d'embrasser la relique, et puis après de vous en faire autant. Oh, dentes fortuna, tu vas. Oh, dentes fortuna, tu vas. Oh, dentes fortuna, tu vas. Who are we? Machina. Where are we from? Sky. Where are we from? Mar. Where are we from? Sky. We don't play. C'est pas moi. Il y a toute une installation dans le jardin. Ah, super, Rio. Alors, à tous nos amis qui nous ont apporté plein de fromages, plein de machins, on va pas les ouvrir tout de suite. Le bras gauche est correct, hein. Le bras gauche est correct, le droit c'est moins correct. Bonjour. Gauche, normal. Biden, Biden, the center, back, back. Maman, passe la seconde, on va pas coucher là.
on est allé lui dire, lui annoncer la nouvelle, Taubigny-sur-Mer avait complètement brûlé. Alors, je veux pas être chauvin, mais normalement, un seigneur français aurait dit « Ah ben, c'est dommage, tant pis, hein, bon. » Mais non. Le seigneur écossais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 3 forêts autour. Il dit que les gens, comme la permission, les gens peuvent aller dans la forêt se servir de tous les arbres dont ils ont besoin pour reconstruire la ville. Alors on va gentiment marcher par ce magnifique beau temps. Écossais. Certains, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Bon, moi je dis c'est la place idéale pour brûler des sorcières. Hein. Mm-hmm. On peut bien voir des fenêtres, là, les flammes. Bon, pour pas mettre une pizzeria, il y en a juste en face. Je suis bien ici, je suis à ma place. C'est logique de porter le kilt ici. C'est ceux qui sont en pantalon qui font tâche. Le mot sapiens normal. Albinien est en kit. Hier, on s'est dit, elle a peut-être trouvé quelque chose. Et en effet, on a dégagé tout le creepy et c'est des fresques absolument très belles que vous ne verrez pas aujourd'hui. Je voudrais appeler auprès de moi un ami qui s'appelle Jeffrey Rogiers. Bien, Jeffrey. On te demande un engagement que tu acceptes. Et qui dit ceci, le postulant s'engage à respecter et promouvoir l'esprit du clan Maktila. Ah oui, à maintenir des relations fraternelles avec ses membres et à promouvoir l'histoire, la tradition et les activités culturelles diocèses lorsqu'ils représentent le clan ou qu'ils en portent les couleurs, à se comporter toujours en gentilhomme, ce qui se traduira notamment dans son attitude, son expression orale et par une tenue vestimentaire adaptée aux circonstances. Moi, je m'y engage. Bravo. Bravo. Les pouvoirs qui me sont conférés par le Board of Directors de la Society, je te déclare adopté. Non mais c'est pas évident ici. Non, on se trouve. On se trouve. Mes chers amis, les vins, la boisson est sur la table, les vins sont là-bas.
On va vous faire découvrir un petit peu l'univers des whisky. C'est un univers qui est quelque chose l'objectif, c'est de vous faire découvrir des whisky, soit que vous connaissez, soit que vous ne connaissez pas, mais c'est surtout discuter un petit peu de l'univers des whisky, qui n'est pas forcément un univers connu, parce qu'on se dit toujours le whisky c'est quelque chose de fort, et il y en a qui vont dire j'aime pas, ou alors j'aime le fumé, j'aime le tourbé, j'aime le sec. Donc tout ça fait que on est complètement chez nous quand on est à Skye et à Mull et qu'on regarde ça avec un œil un peu irlandais. Là où ça devient intéressant notre histoire, c'est que dans la mythologie irlandaise, il y a quelques textes fondateurs qui sont très bien attestés par les moines copistes du haut Moyen-Âge, et deux en particulier. Le premier s'appelle le Leabhar Gabala Herne et raconte le livre des conquêtes de l'Irlande. Il raconte comment successivement différents peuples sont venus s'installer en Irlande, ont façonné l'île, l'ont civilisé jusqu'au peuple des hommes. Grand-père, comment notre île est-elle née ? Ce n'est pas difficile. Un jour, la terre sembla comme surgie du fond des eaux, élevée jusqu'à recevoir le soleil et transperçant la brume. C'est pourquoi on l'appela d'abord Elian a Cheo, l'île aux brumes. Elle semblait magnifique, baignant de soleil et semblant flotter au-dessus des eaux. On raconte par exemple une histoire sur le pont de la Sliganar. Deux clans, constamment en bataille, avaient décidé de conclure un accord. Le plus bel homme d'un clan épouserait la plus belle femme de l'autre. Le jour du mariage, la belle femme vint à la rencontre de son futur mari. Mais le cheval fut effrayé par on ne sait pas quoi, et la belle femme fut projetée du pont vers les rochers. Elle eut du mal à survivre à cette chute. Elle qui était naguère si belle s'en sortit terriblement défigurée. Ainsi qu'un chef celte eut un jour pour épouse une princesse venue du Nord, et de les gens se sont rappelés son surnom, Saucy Mary. Nous autres les hommes, que va-t-il nous arriver, grand-père ? Un jour vient où chacun de nous a fini son temps sur notre île. Vient alors le temps de rencontrer la Benedge, la lavandière de nuit. C'est une femme fée, toute vêtue de vert et qui habite au bord des ruisseaux, où elle passe son temps à laver son linge. Comme les gens ont peur de la mort, ils ont peur de la Benedge.
Mais son rôle est en fait de nous aider à nous dépouiller de notre corps, à le purifier. Une île avec des collines, avec des rochers merveilleux, avec des falaises à n'en plus finir, des plaines complètement féeriques, dignes des plus grands films que Hollywood pourrait faire aujourd'hui, si tant est qu'on ait quelques scénaristes qui puissent imaginer des décors pareils. Et devant autant de beauté, devant autant de choses mystérieuses, il a bien fallu expliquer aux enfants comment tout ça était né, comment tout ça avait grandi. Et on peut très bien imaginer que les anciens avaient comme ça inventé quelques histoires pour raconter pourquoi la pierre du Old Man of Store, pourquoi ce gros piton rocheux qui semble tenir d'ailleurs, on ne sait pas très bien comment. Alors pour certains c'était son pouce, pour l'autre c'était le gros pouce. Je vous laisse imaginer de quel gros pouce il pouvait bien s'agir.